Le débarquement de Normandie, également appelé débarquement allié en Normandie, nom de code Opération Neptune, est une opération militaire amphibie et aéroportée alliée de la Seconde Guerre mondiale, lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est la phase d'assaut d'une plus vaste opération qui vise à créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe et l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Ce débarquement marque le début de l'opération Overlord, nom de code de la bataille de Normandie. Cette opération Neptune incluait les opérations aéroportées américaines et britanniques, pendant la nuit du 6 juin, ainsi que les bombardements préparatoires aériens et navals, des défenses côtières allemandes, la traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires et enfin le débarquement des troupes dès le 6 juin au matin, jour J, sur les plages du nord-est du Cotentin. Et de l'ouest du Calvados dans les secteurs, d'ouest en est, d'Utah Beach et Omaha Beach. Et de la pointe du Hoc pour les Américains, Gold Beach pour les Britanniques, Juno Beach pour les Canadiens, et Swart Beach pour les Britanniques, incluant les Français libres des commandos qui ferent. Une fois les plages prises, l'opération se poursuit par la jonction des forces de débarquement et l'établissement d'une tête de pont sur la côte normande. L'acheminement d'hommes et de matériel supplémentaires. Les jours suivants voient la mise en place des structures logistiques, ports artificiels Malberry, Oléoduc sous-marins plutôt, pour le ravitaillement du front et le débarquement de troupes supplémentaires. L'opération cesse officiellement le 30 juin 1944. Entre le 27 mai et le 4 juin 1940, plus de 338 000 hommes du corps expéditionnaire britannique et de l'armée française, Encerclés sur les côtes du nord de la France, regagne le Royaume-Uni grâce à l'évacuation de Dunkerque. La signature de l'armistice puis l'occupation allemande en France privent les alliés de l'Europe de l'Ouest continental. Après l'invasion de l'Union soviétique par l'armée allemande en juin 1941, Joseph Staline commence à demander aux alliés l'ouverture d'un second front en Europe de l'Ouest. Fin mai 1942 les États-Unis et l'Union soviétique font une déclaration commune sur l'urgence de créer un second front à l'ouest. Mais le Premier ministre britannique Winston Churchill persuade le président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt de retarder le débarquement promis, les Alliés n'ayant pas encore les forces adéquates pour une opération de cette ampleur. Profitant de la présence des troupes britanniques en Afrique du Nord, après leur victoire sur les armées allemandes et italiennes, les Alliés passent à l'offensive en Méditerranée, en lançant l'invasion de la Sicile en juillet 1943, puis l'invasion de la péninsule italienne, en septembre de la même année. Au même moment, les armées soviétiques passaient à l'offensive après avoir gagné la bataille de Stalingrad. La décision de monter un débarquement amphibie à travers la Manche est prise lors de la conférence Trident à Washington en mai 1943. La préparation de l'opération tombe cependant sous la contrainte du nombre de barges et navires de débarquement disponibles, la plupart étant déjà requis en Méditerranée ou dans le Pacifique. A la conférence de Téhéran en novembre 1943, Roosevelt et Churchill promettent à Staline l'ouverture d'un second front pour mai 1944. Réunion du corps expéditionnaire allié du quartier général suprême, CHAF. 1er février 1944. Au premier rang, le maréchal en chef de l'air Arthur Tedder, le général Dwight D. Eisenhower, le général Bernard Montgomery. Rangé arrière, lieutenant-général Omar Bradley, l'amiral Bertram Ramsay, le maréchal en chef de l'air Treffer de mallory lieutenant-général Walter Bedell-Smith. Les Alliés ont retenu quatre potentiels lieux de débarquement à l'ouest de la France la Bretagne, la péninsule du Cotentin, la Normandie et le Pas-de-Calais. Parce qu'il aurait été facile pour les Allemands de prévenir l'avance alliée dans une péninsule, la Bretagne et le Cotentin furent abandonnés. Le Pas-de-Calais étant la plus proche côte d'Europe continentale depuis la Grande-Bretagne, les Allemands le considéraient comme le lieu de débarquement le plus probable et avaient concentré un grand nombre de troupes et de fortifications. De plus, l'avance dans les terres aurait souffert du grand nombre de canaux et de rivières. Un débarquement en Normandie en revanche, permettrait de capturer le port de Cherbourg, d'avancer vers les ports bretons tout en menaçant d'une avance vers Paris puis l'Allemagne. Les Alliés planifient le débarquement pour le 1er mai 1944. Un plan initial est accepté à la conférence de Québec en août 1943. Le général américain Dwight Eisenhower est promu commandant du Supreme Red Quarters Allied Expeditionary Force. Le général britannique Bernard Montgomery est nommé commandant du 21e groupe d'armées, qui se compose des toutes les troupes terrestres de l'invasion. En décembre 1943, Eisenhower et Montgomery découvrent le projet de débarquement, proposant un débarquement amphibie de trois divisions. Les deux généraux insistent immédiatement pour étendre le projet à cinq divisions plus trois aéroportées, permettant un débarquement sur un front plus étendu et hâter la capture du port de Cherbourg. Le besoin en matériel et en barges et navires de débarquement devient dès lors tel que l'opération est repoussée à juin 1944. Au total, 39 divisions alliées seront envoyées en Normandie, 22 américaines, 12 britanniques, 3 canadiennes, une polonaise et une française, pour un total de plus d'un million d'hommes. Préparation. Objectif de l'opération Neptune. L'opération Neptune doit répondre à deux objectifs successifs établir une tête de pont sur la côte normande puis y acheminer renforts et ravitaillement. Pour cela, Neptune va s'articuler en plusieurs opérations. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les opérations aéroportées ont pour objectif de sécuriser le flanc et sur l'orne et le flanc ouest ainsi que la sortie de plage à l'ouest dans le Cotentin. L'opération Tonga et le parachutage et l'arrivée par planeur de la 6e division aéroportée britannique sur le flanc et ⁇ du canal de Caen à la mer ⁇ et à Ranville ⁇ près du fleuve Orne. Le but est de tenir le flanc gauche du secteur de débarquement ⁇ particulièrement les ponts pour empêcher les blindés allemands de rejoindre les plages et permettre par la suite aux blindés britanniques de les utiliser. En effet, la zone du débarquement est bordée à l'est par le canal de Caen à la mer et par l'Orne. Le contrôle des deux ponts les plus proches de la zone de débarquement, le Pegasus Bridge, et le pont de Ranville s'avère un objectif stratégique. Les opérations Albany et Boston sont le parachutage de régiments des 101e et 82e divisions aéroportées américaines dans le nord-est du Cotentin. Elles sont précédées par la mise en place des d'air, et suivies par l'atterrissage de planeurs de ces mêmes divisions Opérations Chicago, Kiokuk, Détroit et Elmira. Elles sont suivies par d'autres opérations parachutées le 7 juin. Leur but est de protéger le flanc ouest de la zone de débarquement et surtout de contrôler les sorties de plages du Beach. En effet, celle-ci, contrairement aux autres plages, se trouve sur un cordon littoral isolé par des marais et n'est relié que par quelques routes à la péninsule du Cotentin. En soutien, l'opération Disson et l'opération Samouest sont le parachutage en Bretagne de 36 parachutistes français en 4 groupes. Traversée de la Manche de la flotte de débarquement et des bâtiments d'appui naval. Avec préalablement. L'opération Gambie. Positionnement de deux sous-marins de poche pour baliser les plages Est. Et l'opération Mépeul. Opération de minage naval pour protéger les flancs de la force d'invasion. 6850 mines furent mouillées durant cette opération. Jour J. Assaut et débarquement. Bombardement aérien puis naval des défenses allemandes sur la côte devant les plages de débarquement et des batteries de canons plus à l'intérieur des terres. Assaut sur les cinq plages de la côte normande, Utah Beach, Omaha Beach pour les Américains et Swart Beach, Juno Beach et Gold Beach pour les Anglo-Canadiens. S'y rajoute l'escalade et la prise de la pointe du hoc par les Rangers américains. Une fois les plages et leurs abords pris, elles doivent être nettoyées et des chenaux dégagés afin de permettre un débarquement de plus grande ampleur de troupes et de matériel. Deux ports artificiels, dont le port Malberry, les Alliés ont renoncé à prendre directement un port en eau profonde. Pour pouvoir acheminer le ravitaillement, l'armement et les troupes, ils vont mettre en place un port artificiel l'autre port est détruit par une tempête avant sa mise en place, devant une des plages prises. Espionnage et renseignement. Des cartes postales permirent aux services de renseignement britanniques de se familiariser avec l'aspect des côtes normandes. Ils cédèrent aussi de cartes topographiques, de photos aériennes prises par des avions de reconnaissance et des renseignements des espions. Avant et durant l'opération Neptune eut lieu l'opération Fortitude, nom de code collectif des opérations de désinformation et de diversion des alliés dont le but était double. D'abord dissimuler à l'état-major allemand, le lieu réel du débarquement en Europe du Nord-Ouest, par le biais de la résistance qui devait faire croire à l'état-major allemand, que le débarquement se déroulerait sur une autre plage, c'est-à-dire le Pas-de-Calais, qui était le plus prévisible pour l'état-major allemand. Ensuite, une fois le débarquement de Normandie effectué, faire croire qu'il ne s'agissait que d'un débarquement secondaire de diversion. Le premier objectif tactique était d'éviter un renforcement des défenses, ainsi qu'une concentration de troupes en Normandie. Il s'agissait ensuite d'éviter une arrivée trop rapide des renforts allemands dans les premiers jours suivant le débarquement. En particulier, il fallait tenir à l'écart les unités blindées de la 15e armée stationnées dans le Pas-de-Calais, avant que les Alliés aient pu établir une tête de pont suffisamment solide. L'opération Fortitude comprit deux volets. L'opération Sky, Britannique, British Force Army, armée fictive basée à Édimbourg et en Irlande du Nord pour faire croire à un débarquement en Norvège et l'opération Quick Silver américaine First United States Army Group Fusag groupe d'armée fictif commandé par le général Patton pour faire croire à un débarquement dans le nord de la France utilisant pour ça des chars factices en caoutchouc conditions météorologiques lors du débarquement de Normandie la préparation de l'opération requiert la définition du jour du débarquement le D-Day, jour J, est d'un horaire défini comme l'heure H, où les premières troupes d'assaut amphibie débarqueront. Il fut décidé que le débarquement amphibie se ferait pendant le jour et qu'un clair de lune est nécessaire la nuit précédente. Un débarquement de jour permet un meilleur déploiement des unités navales et des troupes d'assaut. Il accroît également la précision de l'artillerie et de l'aviation. Le clair de lune précédant le débarquement facilite la traversée de la Manche. Afin de limiter le temps d'observation et de réaction de l'ennemi, et de profiter d'un maximum de lumière du jour pour débarquer assez de troupes, il fut décidé que le temps entre le crépuscule nautique jusqu'à 40 minutes plus tard était suffisant à l'aviation et la marine pour bombarder la côte. Dès la fin 1943, Adolf Hitler et ses généraux sont certains que les Alliés vont débarquer en Europe dans les mois qui viennent, mais ils ne savent pas où. Le mur de l'Atlantique est construit par le Troisième Reich le long de la côte occidentale de l'Europe pour empêcher une invasion du continent par les alliés depuis la Grande-Bretagne. Mais ce mur de fortification, que la propagande nazie disait imprenable, comportait d'innombrables lacunes. Les maréchaux Gerd von Reinstedt, aux commandes sur le front ouest depuis 1942, et Erwin Rommel, nommé en janvier 1944 commandant du groupe d'armée B, Chargés de la défense du nord-ouest de l'Europe, des Pays-Bas jusqu'à la Loire, la zone la plus probable pour le débarquement allié, ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter pour faire face à l'invasion. Alors que Rommel veut repousser les alliés sur les plages dès les premières heures du débarquement, von Rundstedt préconise un système de défense plus mobile, des troupes armées et blindées en retrait dans les terres qui, concentrées, livreraient le combat après le débarquement, car selon lui. Les Alliés ne pourront combattre longtemps, sans disposer d'un port. Von Rainstead juge donc opportun de maintenir les divisions blindées en retrait alors que Rommel les souhaite au plus près des côtes. Hitler ne tranche pas entre les deux hommes, trois divisions seront positionnées près des côtes, le reste à l'arrière. L'ordre de bataille était approximativement le suivant. Le first special service brigade comprenant les commandos britanniques numéro 3, 4, 6, et numéro 45, débarque à Wistreham dans le secteur Queen Red, à l'extrême gauche. Les hommes du Commando 4 sont renforcés par le 1st Trap et le 8e Troop, dont les 177 fusiliers marins français du commandant Kiefer, des 10e Commandos Interalliés, la 3e Division d'Infanterie Britannique et la 27e Brigade cuirassée à Swart Beach, de Wistreham à Lyon-sur-Mer. 41e commando de la 4e spéciale service brigade, avec les 46e, 47e et 48e commando, débarquent à la droite de Swart Beach. La 3e division d'infanterie et la 2e brigade blindée de l'armée canadienne, la 2e de brigade cuirassée et le 48e commando à Juneau Beach, entre Saint-Aubin-sur-Mer et Courseul-sur-Mer. Le 46e commando à Juno doit escalader la falaise à gauche de l'estuaire de l'Orne et y détruire une batterie. La puissance de feu de cette batterie étant apparue comme négligeable, le 46e commando est mis de côté comme une réserve flottante et débarque à jour J1. Le commandement général de la force navale expéditionnaire alliée, incluant le transport des troupes, et l'appui-feu naval sur les côtes est assuré par l'amiral britannique Bertram Ramsey qui a été le responsable de la planification du débarquement en Afrique du Nord en 1942, et dont l'une des deux flottes participa au débarquement en Sicile l'année suivante. Cette force navale était divisée en deux navales task force, une occidentale commandée par le contre-amiral américain Alan Kirk, une orientale commandée par le contre-amiral britannique Philippe Vian, vétéran du débarquement en Italie. La flotte d'invasion était composée de 6 939 navires, 1213 navires de guerre, 4 126 navires de transport et 1600 navires de soutien, dont de nombreux navires marchands, provenant de huit marines différentes, principalement l'US Navy et la Royal Navy, mais également plusieurs navires des flottes de pays du Commonwealth, de l'Armée française de la Libération, de la Marine royale norvégienne, des cargos armés des marines marchandes polonaises, néerlandaises. Belge et Danoise. Le jour J était initialement prévu le 2 juin 1944, mais les Alliés avaient besoin de la pleine lune pour les parachutages, et de 40 minutes de jour avant l'heure H pour le débarquement. En juin, ces conditions ne se retrouvaient qu'entre le 5 et le 7 juin. Le débarquement fut fixé le 5 juin, puis le 6 en raison des conditions météorologiques trop mauvaises. L'opération Neptune ne se limita pas seulement au transport des troupes d'assaut. Elle assura le ravitaillement des têtes de pont. Ce qui était une source d'ennui pour l'état-major allié, à cause de l'absence de ports en eau profonde disponibles dans les premiers jours de la bataille de Normandie. Les alliés ne pouvaient disposer que des petits ports de pêche de ports en bassin et courcelles dont la capacité d'accueil était minime, ce qui limitait l'ampleur du débarquement.